Salut tout le monde, ici Jake pour Iva Sound Studio. Nouvelle semaine qui commence. Nouvelle semaine de stream, mais pas que. Et encore une fois, beaucoup de Pokémon Snap de prévu. Parce qu'il n'est pas fini ce jeu. Beaucoup plus long que ce que je pensais. Que ce qu'on pensait. Bon, il n'y aura pas que du Pokémon Snap à cette semaine. Si vous avez suivi les plannings qui sont postés. Mais là, ben, on va encore à manger. Et aujourd'hui, je sais déjà quelle zone on va faire. Je l'avais posté dans les réseaux sociaux. On va partir sur la forêt sibylline. Donc je m'attends à trouver des Pokémon de type plante, de type insecte, pourquoi pas de type psy, de type ténèbres aussi, je pense. Qu'on va croiser ce genre de choses. Et pour les prochaines fois, eh bien, on verra. On verra. Que s'est-il passé en off ? Eh bien, rien. Parce qu'il n'y a pas eu de off, en fait. J'ai pas eu le temps de faire du off, et j'avoue que j'avais pas forcément la motivation de faire du off ce week-end sur Pokémon. J'ai préféré consacrer le temps à autre chose. Donc non, il n'y a pas du tout eu de off de Pokémon. Donc, XP de la base, on peut pas voir XP de la base. Ah, à vérifier. Bref, Copadia, c'est la plage de jour n'est pas terminée, et on n'a toujours pas accès à la nuit. Pareil pour le récif, mais le niveau max était bon, mais il n'y a pas accès à la nuit. Concernant les fonds marins, c'est, alors là, la source Lumina ici, c'est une horreur. Mais je pense avoir compris comment avancer un peu plus vite là-dedans. C'est, je pense, la source Lumina la plus compliquée. Et la base, bien entendu. Pourquoi le mentionner ? Parce que... je sais pas, j'avais envie. Non, mais comme d'habitude, je parle s'il y a eu du off ou pas. Du coup, je le dis, tout simplement. Voilà. Mais, enfin, il n'y a pas eu de off sur Pokémon, mais il y a eu autre chose quand même. Il s'est passé des choses en off concernant le Twitch. Il s'est passé que Monsieur Touch, que peut-être vous vous souvenez, il avait déjà participé à du Among Us, a suivi la chaîne. Ça s'est passé en off, donc comme d'habitude, tout ce qui se passe en off concernant les notifications apparaissent à l'écran au stream suivant. Le jour où on a 10 000 personnes qui regardent, et là par contre ce sera pas pareil. Mais hein. Bon, voilà, donc j'ajoute. Ah mon dieu, le Grincheux nous suit, j'ai pas eu le temps de faire une notification que de suite. Le Grincheux nous suit. Merci beaucoup le Grincheux, je sais pas qui t'es. Mais bon, merci quand même, et bonjour, bienvenue à toi. Installe-toi, prends ton petit plaid. Il fait encore un peu frisquette, donc bon, voilà. Et comme promis, la notification de Touch qui va apparaître, voilà, pour Touch. Salut le Grincheux, merci à toi. Touch qui avait suivi ce week-end. Mais également, mais ça je la mettrai pas à l'écran, ça me concerne. Voilà, donc Iva Sound, c'est une association. Je suis le premier à soutenir l'association parce que bon, bah, je suis un peu le premier de cordée de l'asso. Donc, je l'afficherai pas à l'écran, mais voilà, j'ai pris 6 mois d'abonnement du Twitch Iva Sound. Donc voilà, merci à moi-même. Après tout, ça fait du bien de se remercier soi-même. Allez, direction la forêt sibylline, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai vu ton tweet, alors je suis venu pour voir un petit peu. Bah, avec grand plaisir, installe-toi. Je ne t'attends pas à voir du grand gameplay. Voilà, c'est pas la spécialité de la maison. Mais voilà, petit stream détente, la recherche de Pokémon. Et de voir un peu comment ça se passe dans leur environnement. Et là, on commence, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Et comme dirait Tatiana Silva, et prenez bien soin de vous à la météo. Donc, c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est des Pokémon que je connais même pas. Toujours pas bien. Ouais, non, faut se valoriser, hein. Faut qu'on se valorise. Valorisons-nous les uns les autres. Il y a un truc derrière là. C'est ça. J'ai accès à la. Ah oui, mais c'est parce que ça fait partie du continent de. D'accord. Mais ça aussi, c'est un Pokémon? C'est quoi cette zone en fait? Et ça, c'est quoi? Ok, d'accord, c'est hyper flippant en fait. Excusez-moi, mais. Vous êtes une petite équipe sur la chaîne, c'est ça, ouais, on est une asso et.
On est plusieurs à stream sur la chaîne. Et en fonction du programme. Par exemple, ce soir, on sera sur du Stardew Valley, on sera 4. Je suis paumé, moi, là-dedans. Pourquoi c'est les ténèbres, là? Au secours! Je voulais faire un truc sympa et tout. Je vois plus rien, ça y est. Il s'est passé... bonjour le bambou. Il fait beau. Ça c'est un Pokémon. Oui. C'est un déflaisant. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelqu'un il faut... Non, toi il faut lancer une Twingo toi. La Twingo! La Twingo! Voilà. Là, là-bas il y a une, un truc là. Bonjour. En fait c'est mignon. En vrai, objectivement, ce Pokémon est mignon. Mais la Twingo quand même. Je lis le chat après. J'essaye de prendre mes repères sur cette zone qui est quand même assez étrange. Oh, un Bulbizarre! Viens là, Bulbizarre. Bulbizarre, fais un beau sourire. Dédicace à Yakipon pour le Bulbizarre. Bulbizarre, il est content. Voilà, c'est la plus belle photo du Bulbizarre. Il va sauter. Non, il va pas sauter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter. T'aimes la musique, Bulbizarre? ce regard qu'il a fait. Ok, bon, Bulbizarre, c'est bon. Toi, t'es qui, toi? Déplaisant, d'accord. Alors, attendez, parce que... Là, il y a... C'est un nid de déflaisant, il semble en prendre grand soin. Et de nouveau du brouillard. Je comprends pas cette zone. Ça y est, je suis perdu. Et ça y est, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Toi, tu es un monstre dans Zelda, toi, je crois, non? Bon, c'est la première fois qu'on est dans la zone, du coup... c'est du tourisme, hein. C'est... On fait ce qu'on peut. On observe. Tiens, on va prendre une belle photo de la plante. Voilà, ça c'est fait. C'est quoi toi? T'es un Pokémon aussi? Edin. Est-ce que tu vis dans un bourg en Écosse pour faire Edimbourg? Non. Bon, tant pis, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc. C'est quoi? Il y a un truc là, on est d'accord? Oui, 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 il y a un truc. Wow. Quel est ce bazar? Et il y a en fait il y a masse Pokémon hein, dans la zone. Il faut les voir quoi. Lumière. Vu le passage ici là, ça veut dire qu'il y a des Pokémon très bizarres là. Merci pour le Prime Grincheux. Oh, c'est gentil. Je lis ensuite, hein, je lis ensuite. Mais merci, j'ai vu apparaître ça à l'écran. Merci beaucoup, c'est très gentil. Là-bas, il y a une fleur, là-bas. Il y a deux fleurs. Ok, d'accord, s'il y a deux fleurs, ça veut dire qu'il faut les allumer en même temps. Allez, de nouveau, on voit plus rien. Pensez à mettre vos feux de... Je vous attends, c'est quoi? PCR. Position, croisement route, feu de route. Vous mettez vos feux de route en plein brouillard. Temps d'espiègle. Le faisant. Là-bas, il y a... C'est quoi, ça? Un Drayeul. Je suis trop vieux pour ces générations de Pokémon ou je comprends rien? C'est... Il y a des Pokémon, je les ai jamais vus de ma vie, quoi. Ah, ça y est, on est dans les branchages. Ok, là, il y a le caméléon. C'est quoi, ça? Drayeul. Il y a plein de fleurs partout, par contre. Bulbizarre. Le regard de Bulbizarre est magnifique. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Drayeul. Mais on dirait un dragon asiatique. Les ruines antiques. Tu
peux plus prendre la photo même de la ruine antique. D'accord, génial. On arrive à la fin de la zone. Elle est longue la zone en fait. Oh. Oh. C'est pas un nénuphar, c'est un Pokémon. Et je continue à spam le bouton photo alors que je peux plus prendre de photos moi. N'importe quoi. Je ne comprends pas cette zone. Ok, bon alors le chat, qu'est-ce que vous disiez? Pokémon Tangalis, génération 3, Pokémon Ténèbres. Je me tarde de voir s'il y a un Fantominus. J'aimerais trop voir un Fantominus. Du Stardew Valley, à quelle heure ce soir? 21h. Ok, je risque de raid la chaîne. Ah ben, merci d'avance. Kecléon, le caméléon. Plutôt Kali, en tout cas, le stream. Merci beaucoup. Pas de problème, l'incroyable Rayel. Plutôt perturbant, ces Pokémon. Ouais, complètement. J'ai un peu trop de retour. Faudra que j'organise ça un peu mieux pour les prochaines fois. Alors, Tangalis. On dit Tangalis ou Tangalis? On dit Tang ou Tain? Un brin. Un brin. Le vieux débat. Bon, photo ratée de toute façon, quoi qu'il arrive. Pistigris. Je le vois même pas sur la photo. Alors attendez. Il y a plusieurs photos en une étoile, mais il n'y en a qu'une seule en deux étoiles. Du coup, je vais mettre la deux étoiles, même si elle est ratée. C'est juste pour être sûr d'en avoir au moins une. Décéliande. Décéliande, c'est comme la forêt de Brocéliande. Si vous êtes fan des mythes celtiques. En fait, elle est pas moche cette photo. Enfin, elle est pas moche. Elle est pas ratée du moins. Parce que bon, c'est pas la plus jolie des photos non plus. Hein. Oh, trop cool! Celle-là, elle est cool. Là, on dirait qu'il danse. Il fait un... Comment ça s'appelle? Un limbo. Je vais mettre celle-là. Allez, je la trouve bien, cette photo. L'incroyable Drayel, ouais. Temps. Toi, tu dis temps. D'accord, ok. Edin. Edin, il y a 9 photos du Edin. Alors, Edin. La 3, la 4. La 3, la 4. Ah, je les spam, en fait. La 8. La 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Là, il est plus en entier. Là. Ouais. Bon, on va tenter la 3 sans... Super, en tout cas, l'idée de votre assaut. Merci beaucoup. Tu te regardes, tu tapes. Bah voilà. J'allais le dire, Yakipon l'a fait. Donc, voilà. Déflaisant. Il a 2. Je vais mettre celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Vivaldin. Ah, il s'appelle Vivaldin, c'est comme Vivaldi. Est-ce qu'il fait de la musique? On ira regarder dans le photodex s'il fait de la musique. Alors, Bulbizarre. Bulbizarre, oh, il y a du 3 étoiles. Et j'ai pris plus de 19 photos du Bulbizarre quand même. Alors, on va chercher la 3 étoiles. Si là, j'ai pas un score avec ce Bulbizarre quand même. La 26. La 26, la 26 encore. Ah, ça sera la 26. Elle est super cette photo. La fleur, on va l'envoyer au professeur. On va lui donner celle-là. Il n'y en a aucune donnée. Il y a... Ok. Et il y a cette chose-là. C'est peut-être ça le Fantominus en fait. Ouais. Je parierais bien là-dessus, là. Je mettrais bien un pari sur ça, là. Allez. Que va dire le prof? En vrai, je pense pas, j'ai pas reconnu. Ah? Ah, mince. Bon, ça, là. Allez, quoi, si j'ai 2300... Oh, 3800! Généreux. Pistigris, 1002. 3000? Ça, c'est 3000 points? Dis donc. Allez, bah c'est tant qu'à faire. Allez, 4200. Ok. Allez. 3700. Bon, d'accord.
Voilà, elle est bien. 3008. 4100. Bah, dis donc. C'est les promos aujourd'hui. Elle est pas bien. 3004. 3008. Ah bon, bon. Oh, Bill bizarre. Ah, elle est belle, ça. 4002. 4912. Ouah, quasiment 5000. Eh, Bulle Bizarre Forever. Bulle Bizarre Forever. Ah, je vais garder la celle-là. Combien de points? 40 000 pour le niveau 2? Ça veut dire que le prochain niveau, ça va demander masse XP, hein. Beaucoup beaucoup d'XP. Mais vu qu'il y a une zone de... vu qu'il y a un moment brouillard et sur une zone nuit. Je sais pas ça. Alors, 20 Pokémon de type normal dans le photodex. OK, 5 Pokémon de type psy. D'accord. Vous avez découvert la partie estivale de la forêt cible. La partie estivale? Pourquoi estivale? Normalement c'est jour-nuit, c'est pas... Oh là, c'est quoi cette zone? Des nouvelles missions? Oui, on rentre à la base, tout à fait. On rentre à la base, on va voir les missions. Et on va voir ce que nous dit le fameux professeur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? En mission, il va nous... Ça, je suis sûr que ça va demander découvrir quelle est cette forme bizarre sur le Pokémon Ténèbres. Là. Toutes les missions, oui. Alors, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Bah, il la met où? Ah, ok, d'accord. Il y en a qu'une? Non. À la recherche des œufs. On trouve parfois des œufs dans les nids de déflaisant, en été. Pourrais-tu en avoir? Ouais, en gros, faut trouver ça. Mais il est grand le déflaisant en fait. Ouais, je m'attendais à ce qu'il soit plus petit. Il n'y a qu'une mission, c'est tout? Bon, d'accord. Une seule mission. Eh bien, soit. On va y retourner. Forêt. Eh hey, oui, c'est ça, il n'y a pas jour-nuit, là. Il n'y a pas écrit jour, il n'y a pas écrit nuit. Hein. C'est quoi? Attendez, attendez, c'est quoi ce trajet, par contre? Bon, lisons. Cette forêt, noyée dans le brouillard, renferme une force mystérieuse qui s'affranchit du temps et qui passe et dérègle le climat. Ok, donc il y a une source luminale là-dedans, ça c'est clair. Mais par contre, ça veut dire qu'on peut avoir accès à différentes saisons. Mais le trajet, il est super chelou. C'est comme si on se fait TP à différents endroits du trajet. Il n'y a pas jour-nuit. Il n'y a pas jour-nuit, mince. Pourquoi j'ai fait B, moi, il fallait que j'appuie sur A. Nous verrons bien ce qui se passe. Ça veut dire que le trajet sera pas forcément le même alors que je reste sur le même niveau d'XP. Alors, concentrons-nous. Merci, comment il s'appelle, Todd. Toi, j'ai pas réussi à l'avoir en sautant, mince. Toi, t'es un Pokémon, toi. Tu danses ou pas? Non, mais tu te déplaces, par contre. Bizarre, ce truc. Il y a ça, là. Ou alors, ça, c'est la source Lumina bizarre. J'en touche pas un. Ah, si, c'est bon, ça va. Et c'est les pommes, peut-être? Ah, les pommes, ça fonctionne. Pommes. 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 La danse? Non. Oh, attends, il y a un truc, là. Ah, nickel. Bon, j'ai spammé, j'ai un peu... Et ça, par contre... Alors, alors... Ah, on voit plus rien.
on revoit quelque chose. Yeah. C'est quoi ça? Un défleuzant en plein vol. D'accord. Tingalis et... Comment il s'appelle le petit? Vendespiègle. Est-ce que vous aimez les pommes? T'as pas l'air d'être très fan des pommes. Du bruit bizarre toi. Attendez que la caméra soit plus cadrée. Ok. Et toi? Mais là, je vais m'attaquer au bambou là. Ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas très trié. C'est pas une super photo. Bulle bizarre. Et... Oh. Oh. Magnifique bête. On dirait un chamois sur les flancs de montagne. Bon, Bulbi, viens là. Une autre photo que celle du sourire, si vous voulez bien. Ah, il court. Il est bizarre. Quoi. Alors, toi, est-ce que tu sors de là ou pas? Oh mon dieu! Il est vénère! Pour le brouillard. On voit rien. On y voit un peu plus. Que Cléon. D'accord. Toi, tu me fais peur, toi. On dirait vraiment les grosses machines dans Zelda Breath of the Wild. Là-bas, il y a lui. Faire attention à la zone où il y a deux plantes à allumer en même temps. Toi tu dors. Toi, je l'ai raté. Non, il est là. Pistigri. Ah, il reste que 9 photos, faut y aller mollo là. Là derrière, c'est quoi ça? Tangalis, mais on l'a déjà pris en photo, je crois. La fleur, l'évolution de Pistigri est trop belle. Pistigri, c'est quoi l'évolution de Pistigri? Il va y avoir un truc là, parce que là quand même c'est une ouverture. Il y avait un truc sur la branche. Oh, je l'ai raté, il y avait un truc sur la branche. Flûte. Alors. Là il y avait des fleurs aussi. Allez vite. Je l'ai raté. Je sais pas. Je sais pas du tout si la fleur a été allumée. Lui. On voit plus rien. Rendez-nous la lumière. Ah voilà. Il y a un chelours. Il y a des chelours. Il y a toi, mais toi, je t'ai déjà eu plus tôt. Bonjour, chelours. Plein de pommes. Oh, ça va être l'objet d'une mission, ça. Tu réfléchis sur les pommes. Quelle recette vais-je bien pouvoir faire aujourd'hui avec les pommes? Une tarte. Mais non, mais tu te retournes au moment où je prends la photo. Mais quelle arnaque. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Bon, toi, celui-ci sera l'objet d'une mission plus tard, je pense. Bon, on t'a vu. Dreyeul. Va te réveiller. Oh! Oh! Toi. Toi, oui. Il se déplace très bizarrement, ce Pokémon, mais il est magnifique. Il a une prestance. Là, il y a les ruines. Voilà, parce que c'était pas cadré. Ah, toi! Hop là. Là, il y a des ruines. Là, il y a toi, là. Un Magikarp, encore, sérieux?
Ah non, c'était pas magique. Si, attendez, c'est quoi? Ah, Magikarp. Bah tiens. Ah non, bah non, il reste une photo, on va pas gaspiller sur le Magikarp. Quoique, c'est la fin là. Là-haut. Non. À quand un lip dub de Bonne Nuit les Petits? J'avoue, c'est les Pokémon préférés de Colin Dreyer. D'accord, ok. En même temps, mais ce Pokémon, je le connais pas, hein, mais de le croiser juste là comme ça, il est juste magnifique. On a vraiment l'impression d'un crossover entre un Ghibli et un Pokémon. Alors. La 2 étoiles, on l'a. Hein, avec un bon score. Du coup, bah, la 1 étoile. Ninupio. Bon, bah, il n'y en a qu'une. Piste. Ah, même pas, je me trompe. Je dis Piste Tigri depuis tout à l'heure, mais c'est pas le cas. C'est Psy Tigri. Attends. Attends, je l'ai mal dit. Psy Tigri. Ah oh, Psy Tigri. Et franchement, les gens qui ont trouvé les noms de Pokémon, vous pouvez pas faire plus simple. Ah oh, Psy Tigri. Stream orthophoniste. Quoi. Je dirais la 12, la dernière, mais... Que Cléon. Oh, il y a une 1 en 4. Ah. Ça, là. Déflaisant. Il y a du 4. On voit rien du tout. C'est pas grave. Tangalis. Ouais, on voit rien sur ça. On va mettre la salle là. Attendez. Tangalis. Si, c'est ça, 3 étoiles. Il n'y a que du 3 étoiles sur lui. Alors, soit celle-là, soit celle-là. Là, il est bien centré, il est bien cadré. Mais il regarde pas la caméra. Là, il regarde la caméra. Il est bien cadré, mais il n'est pas bien centré. Donc, ça va faire bizarre. Miss Marvel 38 qui suit le stream. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Prends ton petit plaid, installe-toi. On est sur Pokémon Snap pour une bonne partie de l'après-midi. J'ai pas vu si ça s'est affiché à l'écran, mais j'ai reçu la notification. Alors, ce Pokémon la pub là, comment ça s'appelle? Chamois d'or. Pas simple, les photos sont toutes bien. Enfin, bien, potable du moins. Mais je partirai plus dans les premières. Celle-là, elle est bien. Je vais mettre celle-là, la 2. La 2, elle me semble plutôt pas mal. Bulbizarre. Bulbizarre en 1 étoile, du coup. Il y a la 13. Et je crois que ça va être que la 13. C'est la plus cadrée. Ça va être la 13. Chelours en 1 étoile. Alors, on a le choix entre Chelours bien éclairé, mais de dos. Ou alors Chelours mal éclairé, mais de profil. Suspense. Commençant à comprendre le bot qui évalue les photos, je vais mettre ça là, même si je préfère ça là. Dreyeul en 1 étoile. Ou en 3 étoiles. Ah ouais. En 3 étoiles, c'est là où il dort en fait. Bon, là, une, y a moyen de la prendre mieux, je pense. C'est pas très éclairé. Je vais mettre la 3. Et enfin, les ruines antiques. Il y a quoi en... aucune donnée? Ah, quand il est transparent, ça le compte pas. Et il y a cette chose-là. Ok. Que va dire le professeur? Suspense. L'avis du prof. 3600, ok, j'aurais parié moins. Ninupio, je pense que c'est pas un bon score. Ouais, 3000, c'est moyen. 6 Tigri, 3000. En même temps, elle est pas bien cadrée. Ça, je pense, c'est un bon score. 4003, cool.
diamant direct. 3300 et la mission accomplie. Ça, ça doit être une bonne photo quand même. Oh là, oui, oui. Oh oui. Et elle est pas. Il regarde pas la caméra, mais c'est une très bonne photo. Soir. Vent d'espiègle. 4007. Allez. Edin. 4003. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant, celle-là. Ok. 3900. Oh, c'est dommage. Il s'est approché un peu plus s'il y avait le 4000. Celle-là, bonne question. 3830, quand même. D'accord. Ok. Et Dreyel. 3718. Ok, pourquoi pas. On a pris la photo des ruines, donc le professeur va nous dire quelle trouvaille fantastique. Et là, il va nous dire j'ai trouvé des nouvelles choses, les recherches, tout ça, c'est l'amour, c'est la vérité. Il va nous donner l'accès à la source lumineuse, je pense. Allez, niveau 2. J'ai pas vu l'XP. Niveau suivant, dans 39 000. Ah, en fait, ah ouais, d'accord. Je pensais qu'il y aurait plus d'XP à avoir pour le niveau 2. 39 000. Ah, c'est faisable, hein. Tu as atteint un nouveau niveau d'exploration. Ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les petits changements sur ce parcours. Et là, il y aura forcément des nouveaux Pokémon. Donc, ouais, le 39 000, il est faisable. Deux fois. Mais là, attends, 42 000 en un coup, quand même. Vous avez montré au professeur 100 photos de Pokémon en train de faire une action particulière. D'accord, pas paradis. Fan du type combat. Il y avait quoi qui avait du type combat là dans le lot? C'est une bonne question ça, je sais pas. Combat, à propos, les recherches avancent, nouvelles découvertes, let's go. On rentre à la base, nouvelle mission, tout ça. Les chargements sont longs. Je trouve bizarre qu'il y ait beaucoup de chargements longs d'une manière générale sur la Switch, sachant que ce sont des jeux sur cartouche et non pas sur CD. Enfin bon. Et il paraît que les capteurs ont relevé un max d'énergie quand tu étais en exploration. Allez monsieur, crachez le morceau, on veut tout savoir. Je m'apprêtais justement à vous faire part de mes découvertes. Il n'y a pas une faute là? Pourquoi est-ce qu'il parle au conditionnel? Je sais pas, je bug là-dessus. Effectivement, nous avons détecté une grande quantité d'énergie provenant du cœur de la forêt. C'est forcément un Pokémon luminescent. Bah oui, tu m'étonnes. Je ne vois pas d'autre explication. C'est comme les disques qui s'installent sur Play Mystère. Ouais, c'est... Oui, tout à fait, oui. Les ruines que nous avons aperçues aussi... Les ruines que nous avons aperçues ont aussi très probablement quelque chose à voir avec ce pic d'énergie. Il y a peu de doute là-dessus. Bien, je te laisse aller te préparer avant de repartir explorer la zone. Je compte sur toi. Vous voulez pas voir l'émission, moi, avant, peut-être? Hop, 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 l'émission. Alors, sachant que c'est un peu dans le désordre. On peut pas les afficher par zone? Si. C'est quoi la zone? C'est Calais, c'est ça? Attendez. Anthos, Popadia, Artoa, c'est Calais. C'est ça. Voilà, ce sera plus simple. Alors, les œufs. C'était des pommes. Ah non, il y a l'œuf entre ses jambes. Une traversée un peu bizarre. J'ai vu un bulle bizarre glisser sur l'eau. Ah bon? Ça doit être une photo difficile à prendre, je pense. Tu as déjà vu un chelours agiter les bras? Ils font ça quand ils sont sur leur garde. Donc en gros, il faut jeter des pommes au chelours. Je ne vois pas d'autres explications. Alors, avant d'aller à la source Lumina, je pense que j'aimerais passer le niveau 2 de la forêt. 39 000. En 2 ou 3 fois, ça doit être fait, je pense. Tu as déjà vu la photo dans le mode en ligne de la traversée du bulbe? Ah bon?
Ah, peut-être, oui, mais je m'en souviens pas exactement de comment la. Enfin, d'où c'était. De comment la prendre. J'ai tellement une mauvaise mémoire pour ce genre de choses. Purée! Faut te prendre en photo au bon moment, toi. Il joue à Naruto, là. Ah. Oui, ouh, je suis l'arbre grain. Ouh, gros, gros. Toi. C'est quoi ça? C'est lui qui fait. C'est lui qui a fait bouger le truc. Il va manger la pomme. Il a mangé la pomme, mais j'ai raté quand il a tiré la langue. Flûte. Fingalis, je t'ai vu. Ah, raté, il était sur sa jambe. Quoi? C'est quoi ça? Eh, petit Pokémon, je te connais pas encore. Ah si, c'est un petit tigri, j'ai rien dit. C'est pas grave. Rip Fantominus. Attends, je suis pas sûr, hein, parce que ça peut être quand même un Pokémon. Ça me paraît trop bizarre que ce soit gratuit comme ça. Oh, c'est beau! Quelque chose se cache. Oui, eh ben. Est-ce que je peux là? Oui, mais allô quoi? Oh, c'est quoi ça? Un Edin. D'accord, c'est juste un Edin, mais il a décidé de... Voilà. C'est perturbant. Je sais pas quoi dire. Il est perturbant. Au secours, il est vraiment perturbant. Maskax. Oh, salut Maskax, comment ça va? Maskax a fait beaucoup de New Pokémon Snap. Il fait voler le rocher avec sa télékinésie. Ouais, ça doit être ça en fait. Ça doit être ça ce Pokémon là. Eh bien écoute, ça va tranquillement, hein, début de semaine. Pour le moment, le début de semaine se passe bien. Toi, je t'ai vu toi. Raté. Attendez, il y a une fleur là. Il y a une fleur là. Oh, bonjour. Formivert. Approche-toi. Approche-toi. Bon, d'accord. Il va pas s'approcher plus. Ouais, ouais. Début de semaine tranquille. Et je sais que la fin de semaine sera beaucoup plus chargée. Donc, j'en profite. J'en profite. Non. Mais, attendez. On vient de passer de l'automne à l'hiver gratuitement, là. Qu'est-ce que... Ok. Ça veut dire que dans le niveau d'avant, on a raté une des formes de lui. Bonjour. Quoi? Non, il réagit pas trop. Ensuite. Là, il y a ça. Et là-bas, normalement, il y avait quelque chose au fond, là-bas. Sur l'arbre, je sais plus. Là. Non, mais je t'ai déjà vu, toi, en fait. Bonjour. Non, non, restez en forme spectrale bizarre, là. C'était chouette. Il va être content ou pas? Ouais, il est content. Bon, tant mieux. Les Givaldins et les Edins ont 4 formes en fonction des saisons. Ouais, c'est que ce que j'ai cru comprendre, mais alors pour les avoir exactement au bon moment. Après, voilà, c'est que la. Je débute sur cette zone, donc j'aurai la réponse un peu plus tard, je pense. Toi!
Non, j'étais déjà en, comme ça. Fais quelque chose d'autre. Voilà, très bien. Il est content. Et le chelours. Voilà, une belle photo de chelours. Magnifique. Tu danses? Non. Oh, le vent du chelours. Ce vent. La gratuité, quoi. Il y a un truc là-haut? Ah non. Toi. Hop là. Il a réagi. Il a réagi. La caméra. Il y a un truc par là. J'ai vu un truc. Un truc rampant. Il y a un truc rampant. J'ai vu passer un truc rampant là. Bingo. Qu'est-ce que ça? Ah mon dieu, mais quelle horreur! Mais arrêtez de faire des Pokémon comme ça, non! Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais... Oh! Mais il est combiné avec quoi ce Pokémon? Mais quelle horreur! Va-t'en, ouais. Non, va-t'en loin de moi en fait. Oh, ça me fait mal de prendre des photos comme ça. Ah, mais... Mais il bouge et tout, quoi! Ah! J'en ai des frissons. J'aime pas ça. Merci pour le follow, Mascax. Mascax. Mon dieu, je t'ai écorché. Je suis désolé. Je t'ai même pas follow. Arrête, il est génial. C'est une évolution d'un starter. C'est une évolution d'un starter? D'un starter? C'est un Pokémon plante? Je suis choqué. La 5G. Ah ouais, mais la 5G, je l'aurai la semaine prochaine avec le vaccin. Blague de merde. Le 3. Ouh, gros, pas content. Ouh, pas content. Ah, j'hésite. La 3 ou la 4? Je vais mettre la 4. Quoi? En 3. Bah, y'a que ça là. Hein. En 1 et en 2. Mettre la 2 du coup, ouais, écoute, hein. Que Cléon en 1 et en 3. Oh, celle-là elle est bien quand même. Je vais mettre celle-là parce que c'était compliqué à l'avoir. Déflaisant en 1. Et il court. Bah, le choix il va être vite fait. Hein. Le Edin. Il est quand même majestueux ce Pokémon, faut le reconnaître. Drayeul, alors. Bah. Celle-là. Chelours en 2. Celle-là. Vivaldin. J'ai envie d'écouter du Vivaldi maintenant, n'importe quoi. Et Pandespiègle en. Oh! Ah. Allez, celle-là. La fleur. Ouais, j'envoie juste histoire 2, quoi. Mais sinon. Ce fut rapide. Je ne follow. De suite, quoi. Tout ça pour la blague. Alors, combien pour le score? 4320. Tu m'étonnes. Ça pouvait être que mieux par rapport à celle qu'il y avait avant. Des Céliandes. Non, c'est deux Céliandes en plus. 6 Tigris. Celui-là, je vais avoir. Voilà. Alors j'espère que c'est une belle photo, je le reprenne pas ça. Suspense. Yes, le diamant direct. Cool, tant mieux. Ça m'arrange. Que Cléon. Déflaisant. Allez, ça enchaîne. Edin. Ok. Drayeul. Ah, 3500. D'accord. Et le chelours. J'ai envie d'en faire une photo du de profil de ce chelours. Il allait vraiment bien, il se pose des questions. Ça, super. On va garder l'ancienne. Combien suspense?
Oh non! Mais non! C'est dégueulasse. Je sais pas, pour la note artistique, les 188, j'en sais rien. Quoi. Ah, je suis dégoûté. Oui, on recommence. Je vais pas rester sur 188 manquants. Mais non! Ah, la frustration! C'est horrible. Horrible. Bon. Alors, toi. Faut que j'arrive à t'avoir quand tu sautes et pas quand tu fais Naruto. Est-ce que tu... Tu vas manger la pomme? Tu veux manger la pomme? D'accord, pas de pomme pour toi. Bon, je te prends pas en photo de suite alors. Il y a les trucs. Il y a toi là. Vas-y. Tu danses? Ok, bon, c'est pas grave. Il y avait le Pokémon qui faisait quelque chose tout à l'heure. Hein. Il y a des points d'interrogation. Oh. Ah. Cette pierre flotte. Non. C'est juste une pierre. Ok, d'accord. Bon, ben ouais, je pense pas qu'on va avoir le Fantominus. Déception. J'aimerais tellement voir des Fantominus et des Spectrums, voire même des Ectoplasmes. Oh. Ça, je m'y attendais pas à celle-là. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Du Valdin. C'est quoi ça? Il y a un truc qui roule là. Verpomme. Il y a un Pokémon, il s'appelle Verpomme. Ok. Je peux t'avoir de face. Regarde-moi. Regarde-moi. Ah mais attends, il y a un truc derrière là. C'est pas le même. Si? Ah si, c'est le même. Il a pas la même forme. Pourquoi? Déflaisant. Ah d'accord, c'est un mâle et ça c'était une femelle. Ok. D'accord. Je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. On va retourner dans le brouillard. Tant pis, j'ai raté un truc dans l'eau là. Il y avait de l'eau donc c'est qu'il y avait quelque chose. Bon, c'est pas grave. Lumière s'il vous plaît. Oh, bonjour. Purée, il est trop rapide. Mange. Tu veux des pommes? Non mais je suis déjà comme ça en fait. Qui c'est qui fait du bruit là? Il y a un Pokémon qui fait du bruit. La fleur encore. Il y a une fleur au fond là-bas. Il y a une fleur au fond là-bas. Yes. Et je crois qu'il y en a une sur le côté. Bonjour. Tout ça pour ça? D'accord. Quoi? C'est quelle forme ça? Forme hiver. Ok. Non, c'est pas par là. Là, il y a le grand cerf. Attendez, il y avait quelque chose là-haut là. Ah mais c'est ça. Il va descendre ou pas? Non, il va pas descendre. Il va pas descendre. S'il y a eux par contre. Alors normalement c'est bon. Là il y a le brouillard qui s'épaissit là-bas là. Eh bé, la fleur elle s'allume pas? C'est quoi cette arnaque?
La fleur, elle s'est pas allumée du tout. Alors toi, est-ce que je peux t'avoir d'une autre façon? Regarde-moi. Souris à la caméra. Bon, on va dire que c'est bon. Je tourne la tête. Tu l'as pas fait tout à l'heure. Non, l'ours, je vois pas trop pour le moment. Toi, t'es là-haut. Et là, il y a le dragon, là. Le Drayeul. Réveille-toi. Réveille-toi. Waouh. Oh, il est grand, en fait. Et là, il y a cette chose, là-bas. Il y a cette chose. La lumière, on lance des pommes. Ok, il réagit. Viens là, viens là, comme ça je me débarrasse de toi rapidement. Viens là. Non, il a pas envie. Il y a un truc derrière là. C'est un Drayeul. On arrive sur la fin. Dans l'eau, il y avait le... Oh, bonjour. Tu veux pas manger la pomme, Bulle Bizarre? Ça m'arrangerait, en fait. Il se barre. Tout simplement. Il se barre. Galice, alors là c'est juste de l'amélioration de photo. Je sens très sain là, mais ça va pas changer. Alors toi, en une étoile, bah, ça va être sain là, écoute, le trio. Toi en trois étoiles, pourquoi trois étoiles? Tu fais rien en particulier? Petit score, vert pomme. C'est vraiment un Pokémon? Ok. Alors toi. Elle est pas cadrée, elle est pas centrée, elle est de dos. Du coup, je vais plutôt partir sur quelque chose comme ça. Il y a soit ça là. Soit ça là, mais il est loin. Donc je vais mettre ça là. Toi, bah il n'y en a qu'une. Toi. Ah, ça va pas faire une des étoiles manquantes. Mince. Alors soit j'améliore en 2. Bah en fait ça va être l'amélioration de la 2. Ah mais il y a la... Ah je peux améliorer la 1 aussi. Je peux améliorer la 1. Mais la 1 on le voit un petit peu dans la première photo. Et là par contre on le voit quasiment pas. Donc je vais améliorer la 2. Ça sera soit la 16, soit la 16, tout simplement. Bulle Bizarre, bon ben il n'y en a qu'une. Toi, il n'y en a qu'une. On va mettre ça là. Chelours. Drayeul en 2. Sont pas bien mes photos de Drayeul, c'est dommage. La fleur, c'est pour le professeur. Aucune donnée. J'ai pas réussi à voir ce Pokémon plante serpent. Je sais, comment il s'appelle? Vivaspik. Non, attendez. C'est pas Vivaspik, je sais plus. Allez, photo mieux pour lui, tant mieux. Pas mal. Potable. Photo nulle. Photo nulle. Ouais, voilà. Du bronze. Ah, elle est pas mieux. Tant pis.
Sérieusement, celle-là est mieux. Ça met 800 de plus quand même, j'aurais pas dit autant. Bon. Je prends. Majespeak, d'accord. Majespeak, faut que je retienne son nom. Majespeak. Nice timing. 4545. Je prends. Bulbizarre. Cette photo est mieux de Bulbizarre. Mais il est loin. Ok. Le chelou. Voilà, ça c'est une bonne photo du chelou. Drayer, ouais, bah ouais, tu m'étonnes, elle est pas top. Hein. Et enfin une fleur de Krista. J'aime vraiment beaucoup cette photo là en fait. Donc, je vais rester ça. Majaspic. Bon allez, le 188 il est passé. On passe au niveau 3. Et il manque 60 000, mais par rapport à d'autres zones, ça avance quand même bien. Ça va en fait. Du dragon. 1000 points dans la catégorie angle de vue. D'accord. Des nouvelles missions, on rentre à la base du coup. Et avant de faire le niveau 3, j'irais bien jeter un œil à la source Lumina quand même. Histoire de voir ce qui m'attend là-bas. C'est quelle zone? Oui, c'est ça. Là. Voilà. Je ne trouve pas ça étrange, ce rocher qui l'évite, je suppose que c'est un Pokémon qui utilise ses... Oh, mais la photo, elle a été prise juste avant. C'est dégueulasse. J'ai l'impression que ce Edin cherche quelque chose. Il a peut-être perdu son Vivaldin. Ok, ça va être comme au volcan, ramener le petit aux parents. Une petite pause détente. Majaspic a toujours l'air... Ah, c'est oui, c'est en effet, c'est Majaspic. A toujours l'air un peu guindé. Je me demande s'il lui arrive de se relaxer parfois, quand il dort peut-être. Ok, prendre une photo de cette chose quand ça dort. Génial, je suis ravi. Cœur de dragon. Cœur de dragon, très bon film d'ailleurs, si vous avez connaissez pas. J'adore ce film, et notamment la bande originale est juste magnifique. Bref, les verpommes se cachent toujours dans leurs pommes. Ah, d'accord. Ça, je n'avais pas capté que c'était pas juste... D'accord. Mais c'est un Pokémon tout rikiki en fait. Pourquoi il y a encore une notification? L'autre facette de Desselyand. On pense souvent qu'ils sont effrayants, mais ils ont aussi une autre facette moins connue. Ok, alors va falloir faire plus d'observations sur ces arbres. Je vais essayer. Mais d'abord, la source Lumina. Petite source Lumina. Ça va être hyper dur en fait s'il y a l'histoire de brouillard. Je suis sur l'eau. L'énergie semble émaner. Dans dessous. Stop. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Milobélus. Je connais pas. Mais il... non, c'est... Non. Juste non, en fait. Ah, mais attendez, mais... Il veut pas sortir de l'eau. Je sais pas si c'est la pomme qui l'a touché ou... Ah c'est bon, il sort de l'eau. Allez. Ça a été flippant, hein. Je sais pas si...
J'avance ou pas? En fait, j'arrive pas à voir si j'avance. Ok, mon vaisseau avance. Il y a d'autres Pokémon ou pas? Peut-être que après sur le niveau 2, peut-être qu'il y aura des Pokémon. Oh, une fleur! Je l'ai vu de loin celle-là. J'arrive pas à la viser. Ah, quand même. Il est passé où? Ah, il est là. Va sur la fleur. Non, il a pas envie. La musique, il s'en fiche un peu. Pomme aussi. Hein. La fleur, non, peut-être. Où est la fleur? Ça y est, j'ai perdu la fleur, ça commence bien. Ah non, elle est là-bas. On a fait. Trop à droite. Touché, non. Ah voilà. Le retour de lui. Bon professeur, c'est ok, j'ai pris 50 photos là de ce Pokémon. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça y est, sort. Il sort de l'eau. Wow! Il a fait plouf. Et c'était assez rapide. Il faut prendre une photo spécifique quand il plonge. Dur. Ça y est, j'ai encore perdu la fleur, mais c'est pas possible. Où est la fleur? Oh purée, elle est là-bas. Texture sur 20. C'est pas grave. C'est rigolo ça. Pas de soleil, et du soleil. Pas de soleil, et du soleil. C'est un joli bug graphique ça. Pas grave. Je crois qu'il est parti. Ah bah écoute. Bah le tour il y était. Comment dire? Il n'y a pas eu beaucoup de distance à faire là. Par contre, il n'y avait qu'un Pokémon. Vraiment un seul. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh, il y a du 1 étoile et du 2 étoiles. Alors, on va commencer par le 2 étoiles. C'est quand il a la tête hors de l'eau. Et le 1 étoile, c'est on le prend comme on peut. Quoi. Ah non, même pas. Il faut qu'il ait un minimum hors de l'eau. Ah ouais. Quand il est sous l'eau, ça compte pas. Mince. Alors celle-là, je pense que je vais essayer de la reprendre mieux. Et pour une fois, je vais tenter soit la 14, soit la 20. J'ai envie de tenter la 20. Ouais, on va tenter la 20. Alors,
jolie photo. 4900, bah voilà, comme quoi, pour une fois, j'ai suivi mon instinct. Et ça a fonctionné. Niveau suivant dans 1. Oh, t'es gentil, professeur. Niveau suivant dans 70 000. 70 000. T'es sérieux, professeur? Vous avez reçu le titre La beauté incarnée. Mais dis donc. Ah, maintenant que nous avons davantage, j'ai une annonce à faire. Ok. Qu'est-ce qu'il va dire en fait? Parce que les Pokémon luminescents, là, j'ai déjà les 4 maintenant. Mais pourquoi c'est tout le temps toi qui croises des Pokémon luminescents? C'est trop injuste. Se calme, petit œuf. T'en fais pas, Phil, ton heure viendra. En tout cas, nos dernières trouvailles... Oui, mais en même temps, je suis l'heureux d'histoire. En tout cas, nos dernières trouvailles semblent indiquer que l'impact de la météorite s'est fait ressentir sur un très large périmètre. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, professeur. J'espère qu'aucun Pokémon n'a été blessé. Si l'impact a eu de telles répercussions, il a forcément dû causer des dégâts considérables. Tu m'étonnes. Mais ce qui est curieux, c'est que nous n'avons... C'est que nous n'en avons trouvé aucune trace nulle part. Oui, en effet. Maintenant que tu le dis. C'est vraiment bizarre. Vous pensez que le Pokémon luminescent qu'on vient de voir était le dernier? Figure-toi que je viens justement de faire une découverte intéressante à ce sujet. Je vous en parlerai quand nous serons au complet. Et c'est quand qu'on est au complet, au juste? Ah! Nous quittons maintenant les chroniques du Capitaine Victor. Pardon? Attends, attends, quoi? Pour explorer des terres inconnues? Pardon? Wow, wow, c'est quoi ça? Il y a encore plus de contenu au contenu, sérieux? Comme vous le savez, nous avons à ce jour exploré 4 zones, chacune abritant des Pokémon luminescents différents. Oui, en effet. Et ils étaient tous beaucoup trop beaux. Chacun ses goûts. Nous savons aussi qu'à chacune de leurs apparitions, nos capteurs ont enregistré une grande quantité d'énergie provenant de diverses zones de la région. Ça voudrait dire qu'ils communiquent entre eux. C'est une possibilité, mais ce n'est pas tout. Nous avons également réussi à localiser l'emplacement de la cinquième source d'énergie identifiée par nos capteurs. Cinquième ? Ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de nos aventures? On dirait bien oui. J'avais pas calculé ça comme ça, moi. Notre cinquième et dernière destination sera cette île juste ici, Adamantia, pleine frisquette. Oh! C'est vrai que j'ai pas encore fait de zone glaciaire. Elle est super loin. C'est de la neige qu'on voit là? On dirait bien que cette île est entièrement recouverte de neige. Je veux trop voir ça. Et moi donc, même le capitaine Victor n'a jamais atteint ce lieu, donc nous avons tout à y découvrir. C'est parti pour l'exploration. Eh bien, ça sera pas pour aujourd'hui. Alors, l'émission. Ah voilà. L'incroyable saut de Milobélus. Waouh! Alors, pour la prendre, cette photo, ça va être rude. Ça va être hyper rude. Bonjour. Non, on ne vous arrête plus. Vous trois, grâce à vos efforts, des nouvelles zones sont maintenant accessibles. Ça tombe bien, car je viens tout juste d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à ce bon vieux Neo One. C'est quoi? Il va maintenant pouvoir passer le turbo. Pardon? Attends, attends, quoi? Le turbo te permettra non seulement d'aller plus vite, mais aussi de prendre des photos au moment le plus opportun. Pour enclencher le turbo, appuie sur ZR.
Le Neo One ira plus vite tant que tu maintiendras le bouton appuyé. D'ailleurs, en parlant de vitesse, tu as remarqué que le Neo One ralentit quand son pilote se retourne. Ou utilise... J'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe qu'il ralentissait. C'est parce qu'il se synchronise automatiquement avec les mouvements de l'objectif de l'Explore Reflex. Si tu tires parti de cette particularité en plus de Turbo, tu vas pouvoir prendre les Pokémon en photo sous toute leur couture. D'accord. Superbe option. Et les clignotants. J'avoue, il manque les clignotants quand même. Les petits warnings là. Les feux anti-brouillard aussi au passage. D'accord, donc on va pouvoir aller plus vite. Mais à la base, on n'utilise pas le Neo One. Du coup, est-ce que je vais pouvoir aller plus vite à la base? C'est une bonne question ça. Nouvelle zone disponible. Alors, supposition. Vu que l'endroit est ici, là, il y a beaucoup de choses ici. Alors, soit ils vont nous mettre par la suite quelque chose là, parce que c'est très plat. Soit ici à la montagne qui a l'air d'être la plus élevée. C'est de la supposition, hein, c'est juste de la supposition, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais ça, ça sera pas pour aujourd'hui. Adamantia, je vais poursuivre la forêt sibylline. Je suis encore là pour un bon moment cet après-midi. J'aimerais bien savoir comment accéder à la nuit de ces deux zones-là aussi. Et en fonction, je verrai si demain, ce sera à la plaine Frisquette ou pas. Mais pour l'instant, on reste à la forêt sibylline. Et... Ouais, la source Lumina, c'est le niveau 2. Il y a 70 000 à avoir quand même. Je pense qu'on peut trouver d'autres Pokémon. Ah bah tiens, je vais croiser le petit Magikarp à l'angle là. Salut. Attends, Magikarp d'abord. Bah ils sont là. Raté. Ah purée, je l'ai raté. Bon, je l'ai raté. Il y a un Enupio quelque part. Il y a un Enupio quelque part, là. Ah, il est content, il saute. Alors par contre, faut que je fasse des super photos quand je suis en zone Lumina. Sinon, ça va pas up beaucoup les scores. Il y a un truc là-bas ? Alors, Magikarp, Nenupio, lui là. Non. Il peut y avoir d'autres Pokémon. Ah oui, ralentir, accélérer. Ah, pratique. Il y avait un truc. Ah, mais c'est le Pokémon bizarre. C'est quoi ça? Ah, mais c'est l'arbre. Pas une pomme. Il y avait lui sur... Ah non, il fait la gueule. Hein. Il fait la gueule. Oh, il y a le serpent. Il y a... C'est quoi, c'est un Mentali, ça, non? Mentali. Il y a bien un Mentali. Magikarp. Les ruines antiques. D'accord. Oh toi. C'est pas cadré, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même des photos à faire, hein, en vrai. Je m'attendais pas à trouver autant de Pokémon là de suite sur cette zone-là. Salut Magikarp. Tu veux pas sortir de l'eau? Qu'est-ce qu'ils font les Magikarp? Je les ai vus accélérer là.
Où il va? Ça sert à rien ce que je fais en fait. Là, lui balancer des pommes dans l'eau, ça sert à rien. Oh là! Ils sont mignons comme tout, les Magikarp. Ils font des bisous. Oh là, toi. Ah, il a regardé lui là. Tu manges les pommes ou pas, toi? Il se barre. C'est hyper dur en fait. Je suis pas à l'aise, mais c'est pas grave. Je fais mon mieux, je me concentre. Ah! Tu manges la pomme ou pas? Oui, tu manges la pomme. Content, pas content? Non, il s'essuie la bouche. D'accord. C'est un serpent très distingué! Danse. Non. Bon bref, à la base c'est la source Lumina quand même ici. Hein. Ah, c'est la fin. Mentali, Mentali vite. Elle avait les yeux Mentali, comme disait Mitchell. Vite, tourne-toi, Mentali. Viens là. Ah, purée, Mentali. Ce n'est point grave. J'arrive. Donc on est en chargement, j'en profite. Hop là, j'enlève le chronotif. Alors, 6 Pokémon quand même sur une zone Lumina niveau 2. C'est bien. Alors, Magikarp. Magikarp, je pense pas faire mieux que le score d'avant. Néanmoins. Alors, pardon, je viens d'entendre que petit Robert, le PC ici, demande de redémarrer l'ordinateur. C'est peut-être pas le moment. Bref, Magikarp. Alors, attends, si toi tu redémarres, ou pas? Non, c'est bon, ça va. On peut continuer. Je me disais bien que l'ordi ramait. Mais tu m'étonnes, il vient de faire une mise à jour dans mon dos. Bref. Alors, toi. Toi, je dirais bien la 11. J'aime bien la 11. Allez. Là, c'est pas une photo intéressante. Mince. Je m'attendais à mieux en photo, en fait. Genre une 3 étoiles, mais pas du tout. Bon, alors, la 17. Eh bien, ça sera la 17. Quoique. Non, non, la 17. Mentali en une étoile et deux étoiles. Alors. Une étoile, c'est super loin. Et en deux étoiles, c'est super loin. Faut m'expliquer la différence entre la une et la deux. Bon, je vais tenter ça là, mais sans conviction. Milobellus, bon mais il n'y a que du une, malheureusement, c'est pas... Voilà. Les ruines antiques sont prises en photo. Allez, go. Maintenant, ça c'est bon. Ça m'étonne pas. Oh, photo diamant direct. Mentali, c'est une photo de beaucoup trop loin. Il va falloir le rapprocher, mais alors pour le rapprocher, voilà. Milobellus, photo nulle. Ah, quoique 4000 quand même. Hein. 4000 quand même, mais bon, ça compte pas, malheureusement. Ça ne compte pas. Une nouvelle ruine, il est content. Ah.
plus 16 000. Sauf que là, c'est 16 000 parce qu'il y a eu des nouveaux Pokémon. Donc si je recommence, ça veut dire qu'il faut que je fasse des photos en étoiles différentes. Et là, on pourra avancer. Sauf que c'est une zone Lumina, c'est affreux. Il y a lui là. Je vais pas sortir de l'eau, il faut que je puisse avoir une photo différente de toi. Un petit 4000 d'XP, tu vois, c'est ça. Ça serait gentil. Oui, mais j'ai bien compris le radar, j'ai bien compris. Bon, il passe en dessous. Ok. Oh, il y a un bulle bizarre. Il y a deux bulles bizarres. Ok. Ouais. Ah, raté. Bon, ça va être compliqué. Qui est là-bas. Je vais pas sortir de l'eau. Non, il a pas envie. Toi, t'es là-bas. Toi, par contre. Il réagit ou pas? Pas sûr que ce soit pertinent. Bon, c'est pas grave. Toi. Mince. Peut-être pas comme ça que je voulais t'avoir. C'est pas grave. Où est la source Lumina? Ah, mais il est en dessous de moi. Il veut pas sortir de l'eau. Hein. Où est Mentali? Où est Mentali? Alors décris ça, toi. Il est de dos maintenant, lui. Ah, là! C'est le moment. Je voulais pas. Ah, raté! Bon, il y a peut-être une photo supplémentaire intéressante. Mentali! Fais dodo. Ah. Il y a moyen de faire un truc. Attendez. Trop loin. Trop loin. Oui, touché. Les pommes, c'est pas trop ça. Non, il se barre. Ne bouge plus, s'il te plaît. Yes. Pomme. Derrière toi. Derrière toi. Ah, voilà. Non, je la porte. Ok. Il va falloir que je fasse un choix maintenant. Parmi toutes les photos de Mentali. Tu réagissais à ça? Ah, il s'en va. Bon, trois photos. Trois photos, on est sur la fin. Il y a toi là-bas. Ouais, je pense à ça. Pas d'autres Pokémon, non, on parle de ça, des Nupio. Ok.
Bon. Je m'attends à faire un petit 10 000 quand même. Ah, peut-être plus même. Peut-être plus. Alors, on va commencer par ça. Difficile de faire plus de 4 000. Et là... Là, c'est possible. La 9. La 9. La 9 encore. Ça va être la 9. Milobellus en 3. Bah, il n'y en a qu'une. Bulle bizarre. Ça comptera pas. Décéliande. Là, il n'y en a qu'une aussi. Majaspic. Ah, je suis embêté là. Bah, je dirais ça là. Et Mentali. Une. En 3 et en 4. Alors, en 1. C'est juste normal. Okay. En 2, on l'a déjà. En 3, j'en ai qu'une. C'est quand il mange la pomme. Et en 4, il est content de manger la pomme. Je vais mettre ça là. Donc le mentali, je peux l'avoir encore. On peut avancer sur le mentali. C'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Super score. Moyen score. Bon bah là score nul mais ça je m'y attendais. Pareil. Je vois pas grand chose. Alors suspense. C'est quand même 18 000. On y retourne. Pour le mentali, là, clairement, on y retourne, sans hésiter. Alors. Il veut pas sortir de l'eau. Bon, on attendra qu'il sorte de l'eau. Manupio. Il est plus bizarre là-bas. Oh, belle photo là. Il va l'arroser. Je pense que ça va être ça, il va l'arroser. Non ? Il y a un truc à faire entre les deux là, il y a une interaction. Sûr et certain, il y a une interaction. Ah. Non, tant pis, bon, trop tard. Trop tard, trop tard. Une minute. Une minute. Il y a un Cucléon. Bon, on sait qu'il y a un Cucléon. Pinocchio. Milobellus. Il y a lui là. Je ne vais pas le viser. Allumer la fleur. Il dort. Est-ce qu'il a l'œil rouge? Je n'arrive pas à voir s'il a l'œil rouge. Ouais, il a l'air d'avoir l'œil rouge. C'est pas grave. Alors, mentali. Là-bas.
allié là-bas. Bon, priorité à l'interaction entre Milobellus et lui là-bas. Non? Même pas? Ah, ça y est. Alors, Magikarp. Salut. Voilà, j'aurais jamais eu un Magikarp un aussi gros plan. Mentally. Tu aurais dû se déder pour avoir un meilleur angle. Ah bon? Ah, d'accord. Eh oui. Je retiens pour le prochain coup. Alors, Mentally. Ah oui, en effet, oui. La pomme de l'autre côté. Je vais lancer la pomme ici. Là, ici. Là. Oh non, reviens. Oui, oui, parfait. Oh, nickel. Ok, nickel. Si Mentally. C'est bien pratique en fait ce truc. Bien pratique. Bien joué pour Mentally. Merci. Je pense que ça va être un nouveau joujou intéressant ce turbo frein là. Alors. Combien? Alors la une étoile est à quand même à 4938. Ça va être difficile de faire mieux. Ça là, il y a peut-être moyen. 14. Mais attends, là il dépasse de l'écran. Ouais, là 14. Bon, là, voilà. Espace de commentaires. Pareil pour Bulbizarre. Que Cléon en 3. Mentally. On va prendre la 4 étoiles. Alors ça va être parmi les 4 dernières là. La 19. La 20 ou la 21. La 21. Deux Céliandes. Pas mieux. Ça là peut-être, mais pas de beaucoup. Magikarp, c'est juste pour le lol. On va bien voir ce qu'il se passe. Ah, 400 de plus, hein. Nénuplio, bon, bah, ça c'était voilà. Voilà, on passe. 4000. Gratuité quoi. Mentally. C'est bien. Toi, c'est pas grave. Ah, ça se voit pas grand chose sur toi. Ah. Bon ben, je prends des points sur un Magikarp, écoutez. Tant qu'à faire. Hein. Prenons des points sur un Magikarp, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 10 000? 13 000! 13 000 et je peux prendre encore un bon score sur un Mentally. Il reste 20 000 à avoir. Il reste encore 20 000 à avoir, ce qui est plutôt une très bonne chose. Alors, je ferme juste la notification Windows du
petit PC. Ça me perturbe un peu. Voilà, c'est mieux. Allez, on recommence. Alors, comment faire quelque chose de bien. On accélère. Il y a vraiment un truc à faire avec eux, je suis vraiment certain. Ah. Il y a les deux bulbes. Il y a une interaction, mais je vois pas laquelle ça peut être. Tant pis. Où suis-je? Ici. Il y a des runes anti juste en dessous. Il n'y a pas un lézard là? Oui, le luminescent là, il est où? Oh là, il s'approche. Et le... Attendez, il est où le serpent? Là-bas. Proche ou pas? Où est le luminescent? Non. Ah, ça y est. Ok, c'est pas fait briller, mais c'est pas grave. Mais arrête de bouger! Ah! Non, tant pis. Bon, mentally. Mentally. Ah, il y a bien le mental. Alors, toi, en 4000 vues, ça va être difficile. Il y a 15 photos quand même. Bon, alors. Mieux que ça. Ça là est bien. Ça là, bof.
Soit la 15, mais voilà, soit la 13. Soit la 15, soit la 13. J'ai peur que là, parce que c'est pas assez zoomé, même s'il y a un Pokémon en plus, même s'il y a du décor, même s'il peut apparaître en entier. Je sais pas. Alors que là, il y a sa tête. Bah, je vais tenter la 13 quand même parce qu'il est en entier. Lenupio en 1. Il n'y aura pas mieux. Et en 2. En 2, il y a peut-être mieux. La 8. Bulbizarre. Voilà. Que Cléon. 3800. 3004, ah ouais, ça va être ça là. Toi, bon bah écoute, voilà. Et enfin là, oh difficile, 4300. Il n'y aura pas mieux. Il n'y aura pas mieux. Du coup, ça, non, sans conviction. Mentali par contre, en une étoile. La 13. La 12. La 10. 9. 8. La 8. Ou la 4. Oh, je sais pas. La 4. On va tenter la 4. Nice timing. 5000. 5000. Ah ouais. Purée. 4004. Ah dommage pour le mentali. Ouais. Ça peut être amélioré encore. Putain, pardon, excusez-moi. J'en reviens pas du 5000. 10 000 tourons. Ça fait 10 000 tourons et il manque 10 798. On y retourne. On va essayer, on y retourne. Purée, il saute en l'air. Okay. Oula. Je sais pas, il y a une interaction, mais je vois vraiment pas laquelle c'est. Là, il y a le lézard. Il veut pas sortir de... Ah, flûte. Ensuite. Toi, je vois pas vraiment ce que je peux faire.
fait manger des pommes. Ah. Ah oui, 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 oui. Yes. Il mange des pommes. Il est content. Oh, yes. Voilà une belle photo. Ça avance. D'accord. Il y a dans la bouche. Rien du tout. Mentalier là-bas. Peut-être aller un peu vite. Non, il fait demi-tour. C'est bon. Yes. Yes. Hé ! Bon. Là, juste là, là. Ça, je fais un grand. Là, viens là. Ok, viens, viens même ici, là. Yes. Non, il sait pas. Oh, mais c'est qu'il y a des choses là. C'est qu'il y a des choses juste là. Je les avais pas vues. Je ne les avais pas vues du tout. Avoir un truc sur le décédiande en fait non. Bon là ça va se jouer à l'amélioration donc il faut voir. Ça va pas s'améliorer ça. Là peut-être au culot. Une bulle bizarre. Je pense pas que Cléon, je pense pas Mentali. 3000, 2000, 3800, 3500, 2200. Je pense que c'est celle-là qui va être améliorée. Premier. Et je vais prendre la 5. Ouais. Desseliande. Ah là ça va être difficile. Mettre la 16. Ouais la 16. Majaspic. Enfin là il y aura. Ça va pas être mieux. Et enfin toi. Alors toi en 3 étoiles, il y a quand même du 5000. Hein. Du coup en 1 étoile. Sans conviction. Vraiment sans conviction. Là ça va pas être très rentable. Ok, 800 de mentali. Ok. 700 et des brouettes, hein. Ah non, 3751. Ah, oh, en tout cas, autant pour moi. 3751.
Autant pour moi. Il manque 7000. Alors là, comment je peux améliorer? Je peux encore faire un focus sur le mentali. Comment je peux améliorer ça? Il me manque 7000 d'XP. Hein. 7000. Et ce n'est que sur de l'amélioration. Que sur de l'amélioration. Tu veux pas aller dans l'eau, toi? Enfin, que sur de l'amélioration, mais aussi le luminescent à avoir en... sur les étoiles manquantes. Il est de dos. Il est de dos. Ah, il veut pas. Il reste de dos. Pas bon. Y a pas des Pokémon au fond là-bas? Pas convaincu. Vite, vite, il faut que je me dépêche. Allez. Voilà. Ok, toi j'ai mieux, mentali. Viens jusque là. S'il te plaît. J'ai besoin de toi là, mentali, vraiment. Non, mentali, c'est trop loin. Là. Non, mentali, c'est raté. Mentali, c'est raté. Mais il y a peut-être quelque chose sur sur Majaspic, peut-être. Et Milobélus au passage, tant qu'à faire. Un bulle bizarre. Nénupio en 2. La 11. Le Cléon.
Ouais, sans conviction. Mentali. 3008, 3005, 3004. Il y a peut-être 3004 qui peut être amélioré là. Enfin, c'est même ça en fait, en vrai. Là, ça va être. Non, ça en vrai. En vrai, c'est ça là. Deux Céliandes. Milobélus en deux. On le voit même pas. On le voit même pas. Ça va me faire 2000. Bah, tu me diras 2000, alors il y a déjà du 4000, du 5000. Bon, bah oui, oui, c'est d'accord, ok. Mais du coup. Tiens, là, je suis sûr, c'est la mission. Bon, c'est pas grave. Quoi, Majaspic 4003, 4003. Ah bon, je vois rien. La 26, la 25, la 25. La 25. Ou alors. Je mettrais bien la 23. Elle est bien celle-là déjà, il y a la fleur et tout. Hein. Alors que là j'avais dit laquelle. Cette différence de score, quoi. Il y a quoi? Il y a 60. Là, je prends 400 sur lui, par contre. 3000. 30. Allez, 4000. Grand max. 8000? Je sais pas compter moi. Allez, source Lumina niveau maximum. Alors ça, ok, je sais pas compter. Je sais pas compter, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des missions? Non. Pas de mission. Alors, on retourne à la forêt sibylline. Source Lumina au niveau max. Voilà, normalement, il n'y a plus besoin d'y aller. Sauf pour récupérer plus tard toutes les photos en les étoiles, diamants, etc. Ça sera plus tard. Du coup, on retourne à la forêt sibylline. Parce que là, bah, faut avancer. Hein. La forêt sibylline, elle n'est pas au niveau max. Mais pas du tout. C'est niveau 2, là. Même pas regarder combien il manquait, je sais pas, c'était 20 000 ou une bêtise comme ça. Y'a un Mentali! Y'a toi aussi. Bonjour. Allez, vas-y, Naruto, pour toi. Toi, un étirement comme ça, je savais pas du tout. C'est parti. Allez, on accélère. Il y avait l'histoire du caillou. Attends. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qui les contrôle? C'est pas toi. Qui le contrôle? Je t'ai vu passer. Il y avait une fleur juste là. Purée. Bon, je sais qu'il y a un Mentali ici, c'est pas mal. Je vois plus rien de nouveau. Oh, belle bête.
Il y avait pas d'histoire de pomme là. Voilà toi. Et le daim. Alors toi, fallait que je te ramène à ton père. Ouais. Si, il est là. Viens là. Vive le daim là. Viens là. Là. Eh bien. Non, il s'en fiche. Bon, ok, d'accord. Il s'en fiche complètement. Dans l'eau. Non, pas dans l'eau. Ok. J'ai raté. Je l'ai pas comme je voulais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? Il peut tomber. Non. Bonjour. Il m'a fait peur lui. Il peut tomber ou pas? Oh. Non. C'est autre chose de encore plus flippant. Là, j'ai pas un score avec ça. Arrêtez de marteler les photos comme ça. Cette fleur n'arrive, j'arrive pas à l'allumer, ça marche. Zone suivante, de nouveau il fait jour, il y a le panda, il y a les oiseaux, partout les oiseaux, et il y a des pommes. Le l'ours pousse, et poussez-vous. Il est de dos.
Ah, j'ai plus de photos, non. Et c'est là où Bulbizarre arrive à manger. C'est pas grave. Sans conviction. Toi. Au moment où tu t'étires. Ça sera la 2. Toi. Ça sera là-dedans. Ah ben, ça va être la 5 là. Clairement. Toi. 4003. 3001. Améliorer les deux, hein. Mais quitte à avoir les points. Toi. Ce serait plus la 3. Ou la 7. Ou la 5. C'est la 7. Vert pomme en 1 et en 4. C'est juste un vert dans une pomme, pour sérieux. Vivaldin 3002, 3008. Aucune de bien, aucune. Kecléon. Ah, Nantali, normalement, c'est censé être mieux. Soit j'augmente celle-là, soit j'augmente celle-là. Je partirai sur celle-là, la 15. Bulbizarre. Pas confiant. Chelour, s'il y en a qu'une. Ah, pas de beaucoup, hein. Allez, mission accomplie. Nice timing. Nice timing. Nice timing. Ah, pas de beaucoup pour le Bulbizarre aussi. Ah, les feux lourds, c'est bon. Je vais garder ça. Et il manque 44 000, parce que bon, 44 000. Mais il y a de la mission. Il y a de la mission. Cœur de dragon, d'accord. Okay. Enfin ouais, 44 000, ça va être beaucoup là quand même. Parce que c'est surtout de l'amélioration de photos là, il n'y a pas forcément de nouveaux Pokémon. Je peux prendre le vert pomme. À peu près 3000.
flipper encore. Mais il se tourne pour manger. Ah, nouvelle saison. Attends, il y a une c'est la cascade ça. Peut-être un bilby là-dedans là. Oh oui. Tu veux pas sauter? Allez Bilbiza. Il n'y avait pas un dragon là par là? Oui, c'est clair. Ok. Bizarre, non? Non, non plus bizarre, non. Mais il y avait le dragon là juste derrière. Ah, oh, déjà le brouillard. Oui! Purée, mais il est trop rapide. J'ai perdu le verre pomme moi du coup au passage, allez. Je viens de capter là. Non, dragon. Comme ça. Yes. Parfait. Oh yes, yes, yes. Cette fleur qui ne fait rien. Voyons, on a fait, on avance, on avance, on avance. Les oiseaux. Ah si, la pomme, les pommes, elles sont là, là. Réagis pas. Attendez là peut-être.
trop petit. Mais toi j'arrive pas à t'avoir correctement. Bizarre. Soro. Ah, ici. Et Bibi qui mange. Bibi qui est content. Yes. Allez, fin du parcours. Quel sera le suspense? C'est très français ça, dis donc. Ah, des nouveautés, cool. Alors, en deux. Et la 12. Et la 11. Et la 11. Je sais pas. Mentali. 4000. 3000. Partir sur ça, la 6, ouais la 6, Vivaldin 3002, 3008, eh, il a le dos tourné quand même, hein. Comment elle a pu être à 3002 ça, alors on le voit même pas. Ah oui d'accord. Ça va être quelque chose comme ça. À 5, à 4, à 4, à 4, à 4. Bulle bizarre. Cléon, il n'y en a qu'une. Ici, Tigri, il n'y en a qu'une. Edin. Elles se valent toutes. Chelours. La photo du chelours, sérieusement, quoi. On dirait la queue du chat du Cheshire. L'air pomme, il n'y en a qu'une. Elle sera pas bonne en photo. La pomme, peut-être, mais pas le verre pomme. Ah ben non, j'ai un 4000. Oh non, non, je peux faire un bon score en fait. Je peux faire un bon score. Ah oui, quand même. Et il me manque 20 000. Eh bien, on y retourne. 20 000. Par contre, pour l'amélioration, ça va de nouveau être compliqué, là. Ça va de nouveau être compliqué. Non.
tard. J'ai eu en photo bien là quand même. Comment améliorer correctement là. Il y a pas un dragon là tout à l'heure? Si, il est là-bas. Ok, il y aura amélioration sur le dragon. Ah, j'ai raté cette position d'attaque. Mais à la base, c'était le but bizarre que je voulais avoir. Je pense qu'il peut sauter. Je sais pas comment la prendre mieux ça. Rude, rude. Ah oui, les verres pommes, les verres pommes, les verres pommes. Ou alors faut. Ah mais c'est lui qui fait ce bruit. C'est le chelou. Et alors et c'est tout. Il a mangé et c'est tout. Bon, d'accord. On avance. Quoi? Non, je t'ai pris un photo tout à l'heure. Toi.
veux pas venir. Voilà, une meilleure photo de toi. Ah, il vient se rapprocher peut-être. C'est nouveau ça. Il a fait un truc nouveau. Il y a peut-être des choses là. Là, il y a peut-être des choses. Oh non. Il n'y a aucune notif, ça veut dire que c'est pas forcément mieux. Bon, ben, on va y aller un peu en modulo. Hein. 4200. 3009. 3005. 4002. 3009. 3005. Je vais mettre ça là. 4005. 3000. Allez, on va mettre ça. 4300, 4500. Encore la recovery. Ok, cette photo est très nulle. Très très nulle. Vivaldin, ça là elle devrait être mieux par contre. Toi, 4100 ou 4700. Ah. Ça sera pas une photo mieux. Non. Rayeul, là oui, par contre. La 11. Ouais, la 11. L'huile bizarre. Bon, il y en a qu'une. Deux fleusans. Là, elle va rapporter 0. Majaspi 4003 et 3008. On va partir sur ça. La 6. 3. La 3. Edin, il n'y en a qu'une. Verpomme. Sans condition. Chelours 4000, 4005. Dessin là, et pareil, c'est une mission. On va voir. Oui. On va voir. Peut-être que le professeur il sera généreux, on sait jamais. Pas énorme, pas énorme du tout. Ah, 10 000 quand même. Quand même 10 000, hein. Il manque 9006. Bah, on y retourne. Il manque 9006, on y retourne. On y retourne, sans hésiter. Alors, par contre, pour améliorer là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Soit comme ça, je l'ai déjà pris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un truc derrière là.
pas à voir ce que c'est. Pour l'instant, c'est pas bon. Hein. Je suis mal parti. Oh non, déjà le brouillard. Mais il est plus rapide là. Hop là. Quoi, oui. Ah oui, là c'est mieux. Ah. Ah, il est plutôt mieux de voir. Il n'y a pas qu'une même. Il rapproche vite. C'est bizarre de là, j'ai raté complètement. Ah. Ils ont fait des trucs intéressants. Ça change. Ils te font envoyer plein de trucs sur cette pierre. Ouais. Prochain coup, j'essaye. Oh, il a couru. Ces viandes, il me manque quelque chose avec eux, mais là pareil, je sais pas. Ça, ça réagit pas. Ça, ça réagit pas. Et le Eden, il va traverser, il va sauter. Ah non. Déception. Aller se poser. Non, ça fonctionne pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Putain, Galice. Ouh, toi là-haut. Toi. J'étais pas comme ça. Il a sauté. Ah, je sais pas si je l'ai eu en vol. Je sais pas. Bon, vous, c'est pas la première fois que vous êtes en vol. Je sais pas si je l'ai eu avec les yeux bleus. Bon, allez, on avance, le brouillard. C'est pas si ça sera bon. Les pommes. Là. Pareil, mais là, je sais pas comment les faire. Agir. Oh, les chelous. Il a bugué. Voilà, il a plus bugué. C'est tout. Mais par pas par là. Comment je fais pour prendre les pommes en photo, moi? Ah. Oh.
Là. Je sais pas. Bon, le serpent, ça fait plusieurs fois qu'on le prend plutôt. On va aller de ce côté-là plutôt. Toi. Bonjour Magica. Magica, tu manges des pommes toi? Enfin, je sais que oui, mais dans l'eau. Oh, oh. Yes, yes. Ah là là. Ah cool, il y a de la notif. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, 4800. Très améliorable. 3800. Très améliorable. Alors, ça va être à la plus belle du coup. Là, 4. 6. La 6. La 6. Dreyeul, 3500. 4. Oh bah, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Deux flaisons en 3, ça tombe bien, je t'avais pas encore. Alors. La 2 ou la 3? Je vais mettre la 2. Tangalis. Oh, 4004. Ouais, c'est un lore. Toi, dont le nom est très difficile à prononcer. 4361. Ça serait la 4. Ou bien. Je sais pas, donc je mets la 4, mais je sais pas trop. Bon, je l'ours, il y en a une, Nénupio. Et les pommes, les pommes. Ah, pas de beaucoup, hein, en vrai, je m'attendais à plus encore. Et ça oui. Best timing. Nice timing. Oh. Petite amélioration. Ah, elle est combien? Je sais plus combien il manquait, 9000 non? Ouais. Oh purée, il manque 3335. Commence à avoir mal au dos. Je vais pas tarder, je pense. Allez, 3335. On va essayer de les avoir. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte? Alors, pas les Naruto. Que tu te retournes. Oui. Ouais, mais tu, malheureusement, c'est pas bon. Alors. Toi là-haut. Ah, mais il y a un Pokémon aussi là-haut là. Okay.
Il va bouger ? Oui, il bouge. Ah, il se barre même. Pendant ce temps, Mentalis fait plaisir. Il profite des pommes par terre. C'était pas fait exprès du tout. Mentalis, quoi, sérieux. Bon, c'était une belle photo. Peut-être que ça peut fonctionner. Quoi ? Mais attendez, l'état. Les feuilles, c'est plus pareil. Il y a des belles photos avec lui. Oh. J'ai arrêté de le spam. Oh. Oh. Non, 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 vas-y, rendors-toi. C'est très bien. Je crois qu'il y a un truc avec le... Je sais plus comment il s'appelle. Le Edin. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est étonnant, d'accord. Toi t'es chelou quoi. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Attendez, il y a un dragon qui vient de passer. Il s'est déjà barré. Oui, il est fatigué, lui, là-bas. On t'a dit de nouveau. Bon, du coup, je vous ai déjà fait cette fois. Pas à la bonne forme. Mais... danser. J'avais pas eu encore un baillant comme ça. Bon, les oiseaux, je disais. Le lourd, je t'arrête là. Merci. Ah mais il y a plusieurs dragons partout là. Tu réagis à la fleur toi ou pas? Pas plus que ça. Hein. Pas plus que ça, d'accord. Dragon, il s'est barré, c'est ça? Ah, purée, il s'est barré. Qu'est-ce qu'il fait? Mon dieu, bulle bizarre. Ne fais pas des peurs comme ça. Hein. Mais attendez, on n'a pas eu la... J'ai pas eu la cascade, là. C'est pas la même saison, j'ai pas eu la cascade. Mince.
C'est complètement random. Ah, c'est pas plaisant ça. Il n'y a pas d'amélioration. Ah! Alors je vais partir sur ça. Sissi gris. Ouais. Mentali. Vivaldin. Vivaldin c'est mieux là quand même. Je mettrai la 4. Attendez, 3008. Ouais, je mettrai la 4. Edin. Ah. Ah, je sais pas. Ah, quoique. La 3. Non, la 2. Déflaisant. C'est la 19. Dreyeul. Bon bah il n'y en a qu'une. Chelou, il n'y en a qu'une. Bizarre. On va voir. Il me faut 3003. Bon, en gros il me faut 3400. Quasiment 100, donc là il y a 90. 490. 790, donc je dirais 800. 800 et 4, 1200. 1200 et 100, 1300, 1350, 1500 peut-être. Bon, je comprends plus leur barre, leur barré. Je comprends plus. C'est pas grave. Niveau max. Je rentre à la base. Quelles vont être les nouvelles missions? On dit que Tangalis est capable de manipuler le vent, j'aimerais beaucoup le voir en pleine action. La tête en bas, on ne me voit pas, t'as déjà vu un cacléon, il prend une pose trop drôle. Mais ça c'est quand il est accroché à la branche, je pense. Pour l'émission. Allez, direction laboratoire, on est sur la fin de ce stream, de toute façon. J'avais dit niveau max de la forêt Selgin, c'est fait. Alors. Oh mon dieu, toutes les notifs. 1, 2, 3. Ah mais attendez, des Edin, j'en ai que un 1 et un 2, j'ai pas le 3 et le 4. Photo très bien cadrée. Vivaldin. Je peux voir toutes ces variantes à lui. Voir. D'accord. Et lui là. En vrai, il est stylé. Hein. Mentali. C'est quoi ton cri? Il est trop choupi. Tangalis. Rayel. Majestic. Bon, je dois reconnaître qu'objectivement, il n'est pas affreux ce Pokémon. Même si je l'aime pas, il est quand même pas affreux.
Vert pomme, je comprends pas. Mais j'ai quand même du vert pomme en... Une étoile, trois étoiles, quatre étoiles, hein, en vrai. Comment est-ce qu'une pomme peut faire 500 grammes? Ça fait beaucoup pour une pomme. Bon, Taméléon, c'est bon. Le panda, on est bon. Lui. J'ai pas la 4 étoiles. Si tu savais son évolution, tu déplairais. Sérieux? Ah non, il a une vraie évolution. Je crois que c'était l'évolution max parce que je trouve assez... Enfin, il y a une certaine prestance. Et en fait, il y a une corps, un truc au-dessus. Milobélu. Ça pourrait être Milobélu à son évolution. Je veux la même alarme de voiture. Mon dieu. Alors. Lui. Voilà. C'est quoi ton prix? Ouais. Vert pomme. Ah bon? L'évolution de vert pomme? C'est une poire peut-être. Vert pomme a une vraie évolution. C'est un vert peut-être. Attends. En quoi est-ce qu'il pourrait évoluer? Vert pomme. C'est un gros vert, c'est fruité. Une chenille, un papillon, quelque chose du genre peut-être. Mon dieu, ce trajet. C'est horrible comme map en fait. Et là, il y a quand même pas mal de Pokémon croisés au final. Hein. Je m'attendais à pire pour la source Lumina. La source Lumina, au final, c'était pas si compliqué. Internet. Ouais, oh, j'irai chercher sur Internet. Allez, le chargement. On y arrive. On peut le faire. Ok, pour le Milobélus. Ah, là au milieu. 12 parcours au niveau max. Sans photo, avec une action particulière. Le type normal, le type plante, combat, dragon. Angle de vue. C'est déjà pas mal. Allez, on va mettre à jour la fiche personnelle. Ah non, c'est après. Non, c'est à côté. C'est pas ici. C'est en dessous, c'est le mode en ligne, pardon. Alors, mon profil. 862 médailles pommes, quand même. 112, 107, 20. Oh merde, je suis déçu. 98, 34, 140, 24, 44. Bon, on va enlever ça là, du coup. Et nouvelle zone. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Le Mentali, peut-être. Là, comme ça, je partirai sur le Mentali. Ouais. Le Mentali qui fait sa toilette. Je vais marquer... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères, je vais marquer... Beau. Tout propre. Point d'exclamation.
plus combien dans le classement du coup. J'ai même pas fait gaffe au score au passage. 1 717 885 pour le score. 80 784 classement monde et en France, ou du moins en francophonie, parce que je pense que ça va compter autre chose que la France. 2275, d'accord. C'est correct. Après, je fais pas ça pour le classement, clairement pas. Oh, le Mew, il est magnifique. Ah, mais en même temps, il y a un filtre derrière. Allez, tiens, cadeau. Une pomme. C'est quoi ça? Oh mon dieu, le spoil. Je suis deg. Ça, c'est la photo que j'aimerais arriver à faire, que je n'arrive pas à faire pour le moment. Oui, non, mais je sais, j'assume complètement, mais c'est juste que là, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Je m'attendais à autre chose pour une fin de jeu, parce que là, clairement, oui, je me doute que ça, c'est de la fin de jeu. Je m'attendais pas à lui. De toute façon, après la fin du jeu, il faudra continuer à faire des choses pour avoir les légendaires. Parce que sinon... c'est tout l'intérêt d'un jeu Pokémon, c'est d'aller chercher les légendaires. Voilà, sur ce, merci pour ceux qui ont suivi, merci aux follow qu'il y a eu, merci au Prime, ça fait très plaisir, merci beaucoup, vraiment. Prochain stream Pokémon, en tout cas New Pokémon Snap, demain 14h, donc même chaîne, même heure, demain. Et je vais partir du coup dans cette zone enneigée. Prochain stream, par contre, ce soir 21h du Stardew Valley avec les camarades Yakipon, Nino et Imra. Donc suivez la chaîne pour être notifié d'un peu tout ça. Rejoignez le Discord, c'est là où on est quand même le plus actif. Sachant que on fait des choses exclusivement sur Discord, par exemple des streams un peu random et que sur Discord juste parce qu'on a envie. Et samedi soir il y a l'Eurovision et samedi soir du coup on va débriefer l'Eurovision mais uniquement sur Discord, pas sur Twitch. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Je voulais vous envoyer chez quelqu'un mais dans les copains de stream il n'y a personne en ligne. Non. Bon, c'est pas de raid du coup. Allez, passez une bonne fin d'après-midi. Demain 14h, New Pokémon Snap. Ce soir 21h, Stardew Valley. Prenez soin de vous cordialement. Bisous, à ce soir.